suis Jacqueline Hénard, je suis née à Berlin-Ouest. J'ai grandi à Berlin-Ouest, je suis partie à 17 ans, le bac en poche. Je me suis enfuie en quelque sorte de cette île à l'intérieur de la RDA pour aller faire mes études en France. Ensuite, j'ai travaillé en Indonésie et plus tard, j'ai travaillé en Allemagne et en Europe de l'Est, où j'ai eu une deuxième vision sur le communisme. La ville était, il faut le rappeler peut-être aux Français, assez loin à l'Est, dans l'Allemagne de l'Est, enfin enfermée dans l'Allemagne de l'Est. Elle était grande, elle mesurait 480 km², ce qui est largement deux fois plus grand que Paris intramuros, pour une population à peu près égale, de un peu plus de 2 millions d'habitants. La ville était très agréable. Il y a toujours trois forêts à l'intérieur de ce qui a été Berlin-Ouest, des grandes forêts où on pouvait aller se promener. Il y a deux fleuves qui traversent la ville. Il y a 80 lacs, je crois, on peut se baigner. Donc, enfin, s'il fallait enfermer une ville à l'intérieur d'un mur, il y avait un bon choix à faire. En gros, c'était vraiment Berlin. Berlin-Ouest était une enclave à l'intérieur du territoire de la RDA. Mais ce que l'on ne sait pas beaucoup, c'est que Berlin-Ouest avait des exclaves. Alors l'enclave avait des esclaves qui, elles, étaient situées à l'intérieur du territoire de la RDA. Il y avait une esclave qui était relativement grande, c'était Steinstücken. Steinstücken, il y avait une trentaine de maisons, était reliée à Berlin-Ouest par une route qui passait en territoire RDA. Il y avait d'autres esclaves. Il y avait notamment deux colonies de jardins ouvriers où il fallait passer, il fallait traverser le mur en quelque sorte. Et n'avaient le droit de traverser le mur que les gens qui avaient un jardin ouvrier là-bas. Et le week-end, vous sonniez d'un côté, vous traversiez un espèce de couloir dans les installations du mur et vous alliez dans votre jardin ouvrier où vous aviez une paix royale. Moi, je suis née en 57, donc quand le mur a été construit, j'avais 4 ans. J'ai un souvenir qui remonte avant, c'était en 1959, donc j'avais 2 ans. Une partie de ma famille habitait dans le Mecklembourg. C'était des gros paysans, ils avaient assez de terres pour faire partie de la deuxième voie, de la deuxième vague de réformes agraires. Et ils se sont enfouis en 1959. Ils ont pris les bijoux de famille qu'ils ont cousus dans le manteau. Ils ont pris un petit sac à main. Et ils ont fait le voyage depuis le Mecklembourg à Berlin-Est. À l'époque, il y avait encore plein de points de passage possibles. On pouvait passer à l'intérieur de la ville. Il y avait plusieurs routes ouvertes, on pouvait aller à pied de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Et on pouvait aussi prendre le métro, le plus normalement du monde. On montait dans une station à Berlin-Est et on descendait à Berlin-Ouest. Les Berlinois de l'Ouest, faut-il dire, se sont très bien habitués au mur. Quand il y avait des visiteurs d'Allemagne et de l'Ouest, ou d'ailleurs qui venaient nous regarder, on les trouvait un peu toujours comme des singes dans leur car qui traversait la ville. Ils venaient nous regarder, ils venaient nous poser des questions à propos du mur. Les Berlinois de l'Ouest, quand on leur demandait « mais où est le mur ?», ils disaient « vous allez toujours tout droit, vous allez tomber dessus ». Et effectivement, c'était vrai, hein, vous partiez d'un point de la ville, vous alliez tout droit, automatiquement, au bout de un nombre de kilomètres qui pouvait varier, vous tombiez sur le mur, face au mur. Mais on n'allait jamais
Regarder le mur, c'était quelque chose qu'on faisait quand on avait des visiteurs venus de l'Ouest. Eux, ils voulaient voir le mur. Donc, on les conduisait à un des points où on pouvait monter sur des espèces d'estrades. On était face au mur, le vrai mur étant la ligne qui coupait vraiment du nord au sud dans la ville. Et qui coupait à travers les rues, à travers une zone densément habitée. Autour de la ville, dans les régions qui touchaient le Brandebourg, le mur était quasiment invisible parce qu'il était construit dans la verdure. Moi, j'ai grandi dans une maison qui était à 200-300 mètres du mur. Il y avait, depuis la maison où j'habitais enfant, on allait en vélo vers la lisière de la forêt. Dans la forêt, on trouvait les panneaux You are leaving the American sector, no trespassing. Il y avait les panneaux d'avertissement. Mais enfin, c'était une jolie forêt et on allait jouer là-dedans avec mes amis. Quand on était adolescent, on se promenait avec la guitare, on chantait Cat Stevens le soir. Éclairé avec un éclairage de fond par les installations des gardes-frontières de la RDA. La lumière était très forte et ça donnait un côté surréaliste qui, quand on était ado, nous plaisait même assez bien. Quand on me pose la question d'où je viens, je dis toujours que je suis berlinoise. Alors que je suis allemande, comme aujourd'hui 82 millions d'autres Allemands. Mais ça me semble toujours plus vrai de dire que je suis berlinoise, probablement parce que j'ai grandi à Berlin-Ouest, et que Berlin-Ouest, c'était quand même assez particulier, cet îlot au milieu de la RDA.